Mesdames et messieurs, bienvenue à votre premier rendez-vous de l'information sur Beurre TV. En voici les principaux titres. Le président de la République reçoit l'Akhdar Brahimi. Début du vote itinérant. La communauté nationale de l'étranger accomplit la votation. La France reconnaît la régularité des élections en Guinée-Bissau. Le président de la République a reçu hier l'envoyé spécial de l'ONU et de la Ligue arabe, l'Akhdar Brahimi. Ce dernier a déclaré à la presse à l'issue de ses entretiens avec le président Abdelaziz Bouteflika que celui-ci va mieux que la dernière fois où il l'a rencontré. Monsieur l'Akhdar Brahimi a dit avoir discuté avec le président de la République du cours de la campagne électorale qui a permis un vif débat entre les candidats, notamment dans l'intervalle des deux derniers jours. La télévision nationale a montré des séquences de la rencontre entre les deux hommes et laissé entendre des bribes de l'entretien échangé entre eux. Il s'agissait de propos sur la révolution arabe en marche, le respect de la démocratie et le retour à l'ordre en Syrie. L'entretien entre les deux hommes a également porté sur l'accueil réservé par l'Algérie aux délégations d'observateurs internationaux et régionaux, ainsi qu'aux journalistes venus en grand nombre couvrir l'actualité de l'élection présidentielle algérienne. L'opération de vote à scrutin ambulant pour les populations nomades des régions pastorales reculées a commencé aujourd'hui. Elle se poursuivra jusqu'au 17 avril. À travers 167 bureaux itinérants, ainsi pour les 27 000 nomades recensés dans les wilayas de Tamaracet, Tindouf, Ilizi et Ouergla, 46 bureaux de vote leur ont été requis. 47 bureaux de vote mobiles iront dès demain mardi à la rencontre des 33 000 inscrits nomades dans les wilayas de Béchar, Adrar, El-Oued et N'Ama. Le vote itinérant se poursuivra le mercredi en direction de 32 000 inscrits nomades dans les wilayas de Betna, Larouat, ainsi que dans d'autres lointaines localités du pays, selon dispositif de 70 bureaux mobiles. Le vote itinérant est ainsi programmé pour verser dans le jour J du 17 avril prochain pour la compétition finale. Les citoyens algériens résidant à l'étranger continuent de fréquenter les bureaux dans les consulats représentations diplomatiques dans différents pays pour choisir le candidat qu'ils jugent le plus apte et crédible pour diriger l'Algérie pour la mandature de 2014 à 2019. Les citoyens de la communauté nationale à l'étranger sont considérés à la fois comme des précurseurs, une élite et un guide qui ont toujours pesé de leur poids, aussi mince soit-il par les chiffres, pour impulser et booster le grand vote du jour J en l'occurrence, le jeudi 17 avril prochain, le rendez-vous de l'élection présidentielle 2014. Malgré la présence marquée des unités républicaines de sécurité et la mise en place d'un dispositif préventif, renforce l'inquiétude et la peur imprègne les esprits des citoyens de Gherdaya, Berrien et d'autres localités de la région du Mzab. La semaine dernière, un brusque requin des affrontements fratricides et interconfessionnels a causé la mort de deux personnes et fait beaucoup de blessés et d'énormes dégâts aux biens et habitations des gens, aussi bien Chambi, Mozabite, Berbère ou Arabe. Dans une déclaration au journal Deka News, le conseiller à la présidence de la République, Abdelaziz Belkhadem, a précisé que les incidents de Gherdaya n'ont rien à voir avec la religion et qu'ils sont plutôt d'ordre ethnique. Belkhadem a appelé toutes les parties à la retenue et la conscience, ainsi qu'aux valeurs de tolérance, de convivialité et de pardon, qui sont les enseignements authentiques et originaux de la religion. La force d'un pays est répuisée dans l'unité et l'union de son front intérieur qui a pour nom le peuple, a conclu Belkhadem. Après un silence prudent réservé, la question des otages algériens enlevés du consulat algérien de Gao, dans le nord du Mali en 2012, revient au devant de la scène et qui est plié sur le fil de la campagne électorale. Le ministre des Affaires étrangères Ramtan Lahmamra avait reçu les familles des diplomates détenus par les terroristes au nord du Mali. Il les a assurés que l'État n'épargne aucun effort à tous les niveaux et à travers ses réseaux pour parvenir à les libérer et les rendre à leurs familles. Ramtan Lahmamra tentait ainsi de donner la primeur de l'information telle qu'elle est scriptée diplomatiquement, contrecarrée pour la désinformation et les échos de la toile, dont le dernier en date vient de tomber comme un canif sur le beurre. En effet, dans une vidéo filmée le 9 avril dernier et diffusée hier sur le site électronique Nouakchott News, l'un des diplomates algériens Mourad Kessas apparaît sur le générique pour libeller un message à l'adresse de sa famille et aux familles de ses co-détenus, les rassurant sur leur état de santé et disant qu'ils sont convenablement traités par leurs ravisseurs. Il a par contre négativisé le rôle de l'État, qui a-t-il indiqué, ne se déploie pas avec efficacité pour les libérer. L'otage Mourad Kessas préférait lancer un appel au peuple et à tous ceux qui ont le souci de les voir revenir sains et saufs, d'agir dans ce sens. D'autre part, le chef du groupuscule terroriste renommé le Morabitoun, qui retient en otage les diplomates algériens, a imputé à l'État algérien la responsabilité du retard mis pour acter la libération des otages à travers des négociations. L'Algérie est opposée au paiement des rançons en échange de la libération de ses citoyens pris en otage, mais le cas des otages enlevés par les pirates somaliens s'est dénoncé à l'amiable et les citoyens algériens ont pu regagner le pays.
Paris témoigne de la régularité et la partialité, ainsi que la transparence et la participation positive de toutes les parties qui ont contribué à la réussite de cette double joute électorale présidentielle et législative, a notamment déclaré le porte-parole du Quai d'Orsay, Romain Nadal, dans une conférence de presse qu'il a animée ce matin. Romain Nadal a également adressé la reconnaissance de Paris aux partenaires régionaux et internationaux qui ont concouru de près ou de loin à la bonne tenue des élections à la Guinée-Bissau. La France attend les résultats des urnes et appelle toutes les parties à l'observation de la loi et le verdict final pour engager le pays sur la voie du progrès et du développement, a encore dit le porte-parole du Quai d'Orsay. Le procès de deux des fils de Muammar al-Qaddafi et de plusieurs responsables sous son régime s'est ouvert aujourd'hui dans la capitale Tripoli. Seyfi al-Islam et son frère Saadi al-Qaddafi devront répondre des chefs d'accusation de malversation des deniers de l'État et des crimes de guerre. Le procès des deux fils Qaddafi, une trentaine d'ex-responsables du régime déchu scrutés par la communauté internationale, allant du modèle démocratique souhaité par les nouvelles autorités, il est ainsi une sorte de révélateur de nouvelles. Délai accordé par les autorités de Kiev aux insurgés de l'est du pays, qualifiés de terroristes pour les bâtiments officiels qu'ils occupent par les armes à Donetsk, a expiré ce lundi matin, laissant la voie ouverte à toutes les probabilités et notamment celle d'une aggravation de la situation, voire la dislocation de ce pays. Le président provisoire Alexandre Tortinov a déclaré à la télévision que le Conseil de sécurité nationale et de défense a commencé son travail antiterroriste avec l'appui de toutes les forces militaires ukrainiennes. Pour la deuxième journée consécutive, la ville de Valparaiso, sur les côtes du Chili, connaît un gigantesque incendie qui a déjà causé la mort de 12 personnes. Des vents soufflant de l'océan a favorisé l'extension de l'incendie aux villes avoisinantes, ce qui a contraint plus de 8000 personnes à quitter leur habitation et détruit 850 hectares de culture et quelques 2000 maisons, selon les déclarations des autorités chiliennes qui ont décrété l'alerte dans la région. Nous commençons notre journal culturel par l'événement marquant du mois du patrimoine qui se déroule dans la capitale du Touet Adrar. Ce mois du patrimoine, organisé par la Maison de la Culture de la Wilaya, revisite le passé culturel et historique de la région de l'Adrar et Forest de Tennesford et de la Zawed et vise à préserver son patrimoine matériel et les précieux livres du fiqh, de la poésie et de l'histoire de cette toute région du pays. Des rencontres littéraires, des expositions, des conférences sont prévues au cours de ce mois, perpétuées chaque quelques années pour passer le témoin générationnel. 30 avril au 4 mai prochain se produit à Genève la 28e édition du Salon international du livre, avec la participation de quelques 800 maisons d'édition et des écrivains, chercheurs littéraires et universitaires, traducteurs, philosophes, de Suisse et d'ailleurs. L'Algérie participe à ce Salon international via deux auteurs, Wessine El Aradji et Ahlam Mistranmi, qui animera une conférence d'idées sous le thème « Les écrivains arabes face aux défis contemporains ». Le romancier égyptien Jemal Retani animera lui aussi un débat autour du thème « Des voix de femmes porteuses de modernité » et développera l'activisme des femmes amateurs et romancières du monde arabe pour leur émancipation avec leurs congénères.